Bonjour à tous et bienvenue dans Posé. Vous ne connaissez pas son visage, mais vous avez sûrement déjà vu son travail. De Data Gueule en passant par les recettes pompettes, Invisible, les travailleurs du clic, tout un tas de documentaires et évidemment Utopie, la série de documentaires dont on va parler. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Henri Poulain. Bonjour. Bienvenue dans Posé. Bonjour, merci. Tu vas bien, Henri ? Ouais, très bien, ça va. La première fois que j'étais en contact avec ton travail, je te le disais en off, c'était avec Data Gueule, le truc que tu avais fait sur le tabac, qui est une chaîne YouTube de data journalisme. Mm-hmm. De motion design, qui en fait, le but c'est de donner du sens à des données initialement éparses, de manière à raconter quelque chose des différents systèmes qui régissent notre monde. Mm. Et de déconstruire le monde et regarder un peu de quoi il est conçu. Tu viens, toi, du monde de la pub, tu as fait 10 ans de carrière dans la pub. Et quand on voit à quel point cette chaîne Data Gueule adresse des sujets très engagés comme ça, est-ce que ça, c'était une forme de réaction allergique au monde de la publicité dont tu venais ? C'est pas impossible, oui. C'est-à-dire que très longtemps, j'étais obsédé par la mise en forme, sans me soucier trop de ce que ça racontait, ce que cette mise en forme racontait, du fond. Donc. Jusqu'au jour où ça m'a semblé trop difficile de coexister entre des idéaux qui étaient les miens, des aspirations, et puis une activité que j'aimais infiniment, hein, qui consistait à faire de la belle image, mais au profit de vendre. Je voulais, un jour, j'ai souhaité faire des films qui racontent plutôt que des films qui vendent des choses, qui racontent le monde dans lequel on est. Ouais. J'ai une vraie passion pour le réel, et Data Gueule a été l'une des premières formalisations de ce désir. C'était intéressant de passer du monde du consumérisme, de la publicité, à cette opposition totale qu'il y a dans le Data Gueule, qui frôle l'anarchie parfois, mais qui est quand même plaisante, quoi. C'est intéressant de voir ce parcours. Et Yann, qu'on a reçu ici, a un peu aussi ce même parcours de venir de la pub et après de, entre guillemets, voler de ses propres ailes comme ça, dans la réelle. C'est compliqué, c'est un paradoxe quand même. Au tout début, quand on est, je pense que Yann Kounen avait évidemment la même passion, et puis là en plus, il a exprimé à des échelles plus vastes que les miennes. Hein. Je suis très humble, moi je fais des petites choses, et je revendique d'ailleurs cette humilité. Alors, mais quand même, je tiens à le dire, j'ai pas fait de long métrage, j'ai pas une carrière cinématographique, bon, je fais des objets qui valent ce qu'ils valent, mais voilà. Mais c'est compliqué au départ d'être obsédé par la matière audiovisuelle. La belle image, le beau son, le bon montage, c'est une obsession qui peut occulter l'essentiel. À un moment, à partir d'un moment, on se demande pourquoi on fait ce qu'on fait. Quoi. Et cette question-là, elle arrive avec un début de maturité, quand on sort de l'illusion du pur plaisir de la matière. Mmh. Et c'est pas simple de basculer. C'est une manière de... Il faut accepter de renoncer à un certain confort. Dans la pub, on gagne beaucoup d'argent. Dans le documentaire engagé, on est sensiblement moins. Et ainsi de suite. Enfin, c'est plus difficile. Et puis, c'est plus difficile, finalement, aussi, de plaire ou d'intéresser. Je parle des objets que l'on fait sur des sujets un peu graves ou compliqués. Et peut-être que l'expérience de films de commande, des films publicitaires, m'a permis d'apprendre des techniques de manière à rendre spectaculaire. Non pas simplement une voiture ou un sportif, mais également des sujets compliqués, des sujets un peu austères. Tu dis dans que le motto de ta boîte de prod, c'est privilégier le fond, et la forme, finalement, c'est le fond qui remonte à la surface. Ça, c'est une phrase de Victor Hugo, je ne l'ai pas inventée. Ah, ok. Mais effectivement, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Effectivement, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une sorte de grande justesse entre ce qu'on a à raconter et la manière dont on le fait. Mais ça ne veut pas dire pour autant que sur un sujet sérieux, il faut être sérieux. Ça ne veut pas dire que pour autant qu'il faut renoncer au spectacle, aux effets, à la dynamique, au rythme, à ce qui rend attrayant aussi l'écriture audiovisuelle. Sur Data Gueule, le motion design, c'est vraiment une écriture très particulière, avec laquelle j'ai un peu rompu depuis quelques temps, mais que j'estime toujours beaucoup, qui est l'idée de faire du spectacle avec des données,
assez sèche, hein, des chiffres, des dates, des infos, des mots, parfois simplement, mais de les faire agir ensemble de manière à ce que tout d'un coup on soit presque hypnotisé par dynamique-là et que cette hypnose soit au profit d'un propos, d'une subjectivité revendiquée. Si j'ai un point de vue sur une problématique, par exemple la vape, je considère que la vape doit être défendue parce que il y a une question à la fois de santé publique, de plaisir. Je saurais le faire de manière peut-être plus élégante et plus dynamique en motion design que par un simple propos tenu face à une caméra. Voilà. Donc spectaculariser une problématique complexe, ça a du sens et on s'est beaucoup amusé à le faire avec de ta gueule. Est-ce que c'est ce qui marche bien d'ailleurs, parce que c'est vrai que les sujets sont un peu secs sur Data Gueule, c'est sur le climat, sur des choses comme ça qu'on n'a pas forcément envie de se mettre la tête dedans le lundi matin quand on arrive au bureau, mais la forme en elle-même rend le truc plus digeste, quoi. Et finalement, c'est souvent ce qui manque. Choper par la forme pour ramener à un fond qu'on juge important et utile à partager. T'es quelqu'un de très engagé dans tous les sujets que tu traites, dans l'utopie, dans toutes tes œuvres et tout. J'imagine que tu dois faire ton lot de recherches sur chacun de ces sujets. Sincèrement. Dans tous les sujets que tu as pu aborder dans ta carrière, lequel a provoqué le plus grand changement de conscience chez toi ? Il y en a énormément. Alors d'abord, avant tout, je veux dire que je ne suis pas tout seul, évidemment. Data Gueule, c'était le fruit d'un collectif. Moi, je réalisais et je participais à l'écriture, mais il y avait Julien Goetz et Sylvain Lapoix, qui étaient très actifs dans la chaîne. Et sans eux, je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait. Et puis, depuis, le collectif s'est nourri d'autres apports. Il y a eu Léa Ducré, il y a eu Lorraine Boudard, qui nous accompagnait sur Utopie. Voilà, c'est très collectif. Mmh. Et on apprend beaucoup de ces collectifs et des recherches. Le data journaliste en question, c'était Sylvain Lapoix, qui faisait un travail absolument exceptionnel et indispensable pour qu'on puisse commencer à tracer des lignes claires, et sourcer et documenter. Alors, moi, il y a peu de sujets qui m'ont pas bouleversé. Parce que pour Data Gueule, comme pour tous les sujets que j'aborde encore aujourd'hui, c'est-à-dire que je pars du principe que, au début, je ne sais rien. Enfin, j'ai des présupposés, mais qui nécessitent d'être contredits, enfin, d'être remis en question. Et la meilleure manière de le faire, c'est de creuser le sujet, de lire, de se documenter, de croiser les sources, de discuter avec les autres, pour que mes a priori soient bousculés et que le travail qu'on va fournir après, dans le film, permette aux a priori des spectateurs, des spectatrices, d'être bousculés. Bousculés de la même façon. Alors, l'un des sujets, moi, qui m'a vraiment changé, c'est le sujet sur, par exemple, le féminisme, sur l'inégalité des sexes. Okay. C'est un sujet qu'on a pris de plein fouet lors d'un Data Gueule, c'était en 2016, je crois, ou 2017, avec Réjeanne Sénat, qui est une chercheuse du CNRS, et militante féministe aussi. Qui mettait en exergue les principes du patriarcat. J'ai peur que ça fasse râler derrière l'écran, mais bon, moi je pense que quand tu étudies un peu la question, quand tu vois que même dans notre langue, le masculin l'emporte sur le féminin, et que c'est une règle intangible, tout ça dit quelque chose. Et j'ai été saisi par la profondeur de l'enracinement de cette règle, que certains appellent patriarcat, faut pas avoir peur du mot, mais cette règle sur laquelle, mécaniquement, dans le monde qui est le nôtre, les hommes dominent majoritairement. Et cette domination-là, elle a plein d'effets pervers, complexes, douloureux, jusqu'aux violences faites aux femmes, jusqu'au viol, jusqu'au... Voilà. Et ça, c'est pas rien. C'est pas des épiphénomènes. C'est systématisé par toutes sortes d'éléments. C'est plurifactoriel. Mm-hmm. Mais je vais pas le détailler maintenant. Mais je pense que quand on s'y penche et qu'on creuse un peu, qu'on se prend cette réalité en tant que mec, blanc, hétéro. Donc vraiment, moi, j'ai jamais été confronté à quelque difficulté que ce soit de par ce que je suis. J'ai saisi combien le simple fait d'être une femme était déjà une complexité. Alors, parce qu'on est femme, noire, pas hétéro, etc., ça devient encore plus compliqué. Il y a des couches de domination. Mais ça, effectivement, on veut dire que moi, je suis... Du bon côté de la barrière sociale et j'ai jamais eu à souffrir de discrimination. Le monde qui nous entoure, même en sortant de ce studio, on croisera des gens qui, eux, subissent des discriminations parce qu'ils sont ce qu'ils sont. D'accord. Et je crois que Data Gueule m'a permis de le saisir un peu plus précisément. C'est quelque chose dont tu n'avais pas vraiment conscience avant et tu t'en as pris conscience en creusant le sujet. Oui, je le savais de manière théorique, comme on sait que l'univers est vaste. Et puis un jour, on le saisit, quoi, on le sent.
tu vois, il y a quelque chose de qui s'incarne, qui se précise en nous, et ça, c'est des moments de stupéfaction qu'on s'empresse souvent d'oublier. Hein. Faut souvent réactiver cette prise de conscience pour pas rendre normal ce qui l'est pas. Ouais. Le principe de la grenouille qui se fait cuire à feu doux, en fait. C'est ça, absolument. C'est exactement ça. Alors, du mass média, on est dans une culture où il y a l'information qui circule à toute vitesse, et il y a un énorme problème de désinformation qui règne dans notre monde. Comment on trie le grain de l'ivraie, selon toi? Comment on sépare une fausse information d'une bonne information? Il faut bosser un peu. C'est-à-dire, faut bosser tout le monde, hein, chaque citoyenne et chaque citoyen doit être à même de croiser les sources, de ne pas croire la première vidéo, le premier texte venu. Toujours s'interroger sur qui émet l'information à laquelle on a accès, d'où ça vient. Et puis, par voie de conséquence, pourquoi est-ce qu'elle a été mise? Parce que souvent, les fake news, elles ne surgissent pas comme ça, comme la pluie, comme des bulles de savon. Une raison d'être. Et une raison d'être, elles ont un but, elles ont un sens, elles ont un objectif. Et je pense qu'au fur et à mesure, on finit par percevoir des dynamiques similaires et être de moins en moins dupes. Mais il faut toujours être vigilant et on n'est jamais à l'abri de tomber sur une connerie et d'y croire. D'autant plus que les conneries, elles sont bien racontées souvent. C'est-à-dire que, et puis c'est facile, c'est l'histoire du récit, hein, c'est l'histoire du mythe ou de la rumeur. On a envie de croire à un truc un peu simple, avec des bons et des méchants, avec au sein duquel nous, en tant qu'éveillés, là, je reviens aux dynamiques propres au complotisme. Ouais, la théorie du complot, si moi, ouais, j'y vois clair, je suis un éveillé, donc j'ai un rôle, j'ai une mission, tout d'un coup, j'ai ma place dans ce grand théâtre un peu grotesque, ou un peu fou, un peu absurde. Et donc, j'ai très envie de colporter ça à la fois. Ça me donne un sens. Et en même temps, je peux propager. Tu penses que c'est ce qui anime les terre-platistes et ce genre de... C'est pas impossible. Après, je vais pas faire de la psychologie de comptoir. Je pense que... Moi, j'aimerais bien que certains terre-platistes et autres fassent ça un peu au deuxième degré. Il y a peut-être certains qui font ça aussi en s'amusant. C'est un jeu. Voilà. Il y a peut-être... Je pense qu'il y a un gros paquet de trolls là-dedans, quand oui, même. Oui, oui, oui. Alors, on a le droit d'en rire. Hein. C'est super important d'en rire. Puis le rapport au réel est tellement, tellement triste parfois que c'est bien parfois, enfin, de le rendre joyeux ou absurde. Pourquoi pas? Mais faut pas être trop dupe. Il faut se méfier. Il y a des trucs que tu vois quand tu regardes une news, par exemple pour ce qui se passe en Ukraine, ou tu vois des récits qui sont racontés souvent d'un côté. Est-ce que toi, tu arrives à déceler ou tu t'arrives à capter quand une information, tu la vois et tu sens qu'elle est biaisée ou tu sens qu'elle peut être fausse? Quels sont les signes, selon toi, qui montrent, attention, ça c'est très très orienté? Quand c'est trop simple, en fait. Quand c'est trop simple, quand c'est trop manichéen, quand c'est trop contrasté, quand il y a peu de nuances, peu de complexité, il faut se méfier. Notre monde est gris, complexe, plurifactoriel, changeant en permanence. Les récits qui se cantonnent à figer dans des contrastes très basiques, des bons et des méchants, en général, il faut s'en méfier. En fait, je crois qu'il faut avoir le goût de la complexité. La complexité, ça peut rebuter. Je veux dire, c'est compliqué, ça me fait chier. Voilà. Et puis il y a ça en plus à prendre en compte, puis ça, puis tel autre facteur. Et puis chaque point de vue peut se nourrir. Mais je pense que on peut s'y retrouver dans la complexité. On peut trouver du sens et finalement d'autres contrastes, d'autres manières de raconter la réalité, de vivre la réalité, tout aussi, même plus encore, plus joyeuse encore que les récits binaires, les contes de fées. Ouais. Si on est trop les gentils contre les méchants et que ça ressemble à un blockbuster, c'est mauvais signe. C'est pas possible. Ouais, ça veut dire. Bon, on va parler un petit peu d'Utopie, ta série de documentaires dont je parlais en intro. T'avais annoncé ça il y a 3 ans sur DataGueule, parce que le temps passe. Où tu avais lancé Démocratie avec le S entre parenthèses. On était plusieurs, je ne suis pas tout seul. C'était une équipe, en effet. On était une équipe. Donc sur DataGueule, vous aviez lancé Démocratie, qui était un peu le début de la balle qui roule, comme ça, série Utopie avec le S entre parenthèses. Je me suis toujours demandé un truc, parce que c'est vraiment des cas particuliers que tu vas voir dans Utopie, notamment ce village en Israël, voilà. Comment tu déniches une utopie? Alors d'abord, il faut qu'on la définisse. Nous, ce qu'on entendait par utopie, ce sont des gens qui tentent
de passer du concept, de l'idée, de l'idéal au réel. Moi, je suis pas un utopiste. C'est-à-dire que, en fait, je rêve d'un monde libéré des discriminations, où l'égalité serait tout à fait partagée, sans rapport de force ni de domination, et pour autant, je paye un loyer, je fais mes courses au supermarché, je mange pas toujours bio, enfin, je vis dans le monde libéral, je suis un enfant du libéralisme qui correspond pas exactement à mon utopie. Il y a des gens qui ont, même s'ils tentent de faire des choses par ailleurs, c'est à demi. Il y a des gens qui ont décidé de rompre avec un quotidien et une manière de fonctionner, de vivre, qui ne correspondait pas exactement à leurs idéaux, et qui se sont dit, on va pas simplement espérer, on va vivre. On va pas espérer la paix, tu parlais d'Israël, on va vivre la paix, on va constituer un village au sein duquel vivront ensemble des juifs, des palestiniens, des catholiques, des chrétiens, des musulmans et des athées, sans se soucier de l'origine culturelle, religieuse des uns et des autres. Et on va prouver, ce faisant, que le récit dominant qui est de dire la coexistence entre juifs et palestiniens est impossible, que c'est une erreur, que c'est une connerie, qu'il est possible de vivre ensemble. La preuve, on le fait depuis 50 ans. Voilà. Et c'est ce passage à l'acte, les Anglais disent to talk, to walk. Je dis et maintenant je marche et je fais. Walk the walk. Je trouve ça brillant, je trouve ça extrêmement fort, je trouve ça très beau. Alors c'est des gens qui font moins d'effets de tribune, qui sont moins présents, qui n'ont pas le temps de se raconter. Parce qu'ils consacrent leur existence à vivre. Et c'est très compliqué, parce qu'il y a une double dynamique, une double complexité. Et à la fois, proposer quelque chose d'autre au monde alentour, ça ne veut pas dire s'en couper, hein. C'est entretenir un lien très fort avec ce monde, puisqu'il s'agit de proposer autre chose, mais en restant en lien avec ce monde, ce n'est pas des bulles. Hein. Mm-hmm. Et en même temps, l'autre dynamique, c'est faire en sorte qu'en soi-même, on combatte ce qu'il reste de nous, de préjugés, d'idées préconçues. Oui, de discrimination latente. Encore une fois, nous sommes tous des enfants du libéralisme, nous sommes tous des enfants du patriarcat. C'est inscrit en nous. C'est pas que c'est compliqué de s'en expurger, d'en sortir. Alors, il y a aussi des termes qui énervent, des gens qui parlent de déconstruction, mais c'est pas une connerie. C'est-à-dire qu'il faut déconstruire quelque chose qui a été construit. L'ensemble de ce que l'on croit savoir, c'est le fruit de construction culturelle. Ce sont des récits, conscients ou inconscients, qui s'enracinent dans une histoire qui est bien antérieure à notre propre existence, celle de nos parents, celle de nos grands-parents, et ainsi de suite, qui chargent notre langue, nos conventions, nos rapports sociaux, la structure de nos vies. Tout ça, ça raconte quelque chose, et c'est construit, ça a été construit intégralement. C'est pas un effet de nature. Ce qui est intéressant quand tu t'intéresses à l'anthropologie, c'est que tu apprends, en lisant des scientifiques, qu'il y a eu, depuis l'histoire d'Homo sapiens, depuis 300 000 ans que notre espèce est sur Terre, il y a eu des milliers et des milliers d'organisations sociales différentes, qui fonctionnaient pas du tout comme la nôtre. Voilà, c'est juste, ça fait 200 et quelques années, 300 ans, que cette civilisation s'est élaborée, qu'elle a produit ce que nous vivons aujourd'hui. Mais c'est une expérience parmi des milliers d'autres. Et je trouve que celle-ci, quand même, domine l'intégralité de la planète et la dégrade de surcroît. Je pense que c'est compliqué de se satisfaire du réel quand tu regardes la crise climatique, la pollution, les violences, les crises humanitaires, l'intérêt, les guerres privées. Tu dis qu'il y a un petit problème, il y a des effets pervers dans cette. Mais ça. Tu peux pas dire, tu as deux possibilités de dire, ah c'est comme ça, l'homme est ainsi fait, et c'est le discours qu'on entend trop souvent, et à mon avis totalement erroné, l'homme est ainsi fait qu'il va générer de la mort, il va générer de la crise en permanence, il va détruire la biodiversité, il va réchauffer la planète avec toutes les conséquences que l'on envisage encore pas tout à fait intégralement, ou l'autre qui consiste à dire, bah ça c'est le fruit d'une construction, ça a été construit à un moment, et c'est une super bonne nouvelle, parce que si ça a été construit, c'est qu'on peut le déconstruire et le reconstruire autrement. Mmh. On peut agir sur les choses. On peut pas ne pas rester passif à se lamenter sur l'espèce humaine qui ne mériterait pas d'exister. On peut dire non, on peut mériter d'exister, à condition de faire autrement. Comment est-ce qu'on peut faire autrement ? Et les utopistes sont des gens qui font autrement. Mmh. C'est ce que tu... En fait, c'était le but d'Utopie, parce que finalement, d'à ta gueule, le projet de pointer du doigt chaque petite chose... grosses choses même qui vont pas dans notre monde, examiner les pièces du puzzle et puis après dire comment on remet ces pièces pour en faire quelque chose de nouveau qui fonctionne peut-être mieux que ce qu'on a vu avant. Mmh. C'est ultra intéressant, je vous conseille en tout cas de regarder cette série de documentaires si vous avez l'occasion. Sur France.tv.
C'est totalement instructif et très bien. Tu parlais tout à l'heure de réformer les choses et de déconstruire, justement. Selon toi, la meilleure approche pour lutter contre un système qu'on rejette, c'est d'intégrer ce système et de le changer de l'intérieur ou de lutter à l'extérieur du système ? Bon, j'ai pas de solution. À dire vrai, je sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question-là, simplement. Je sais pas. Certains pensent, et peut-être ont-ils raison, que la meilleure manière de procéder, c'est d'intégrer le système et de le transformer en son cœur. Et pourquoi pas ? C'est très compliqué. C'est compliqué parce que souvent, c'est le système qui te change plutôt que tu rentres à l'Assemblée en te disant, en pensant que tu vas transformer les règles du jeu de l'Assemblée, et puis quelques années plus tard, tu deviens un sénateur un peu gras. Davantage préoccupé par l'heure du déjeuner que ou du poste que tu vas obtenir ou de ta petite carrière personnelle voilà et puis t'es rentré dans cette espèce de cycle je schématise bien sûr mais en même temps c'est vrai que transformer à la marge du réel le réel c'est compliqué aussi alors j'ai pas de réponse précise j'ai pas de solution c'est quoi ton approche personnelle à toi là-dessus? Alors moi, je raconte des histoires, j'essaie de raconter des histoires, mais c'est pas rien de raconter une histoire. Je pense que nous sommes que le monde est bâti sur des récits, encore une fois conscient ou inconscient, et que raconter une autre histoire que celle qui se raconte communément, c'est une histoire un peu différente, ça a du sens. À mon humble dimension, je ne sais pas faire beaucoup d'autres choses que ça, quoi. Je suis un artisan de l'audiovisuel, j'apprends tous les jours à raconter quelque chose avec des sons, des images et du temps, à faire des films. Et j'essaie de faire en sorte que ça raconte quelque chose qui soit légèrement distinct de ce qu'on peut entendre plus largement. C'est une forme de militantisme ? Alors moi, j'aime pas trop le mot militant parce qu'il y a militaire derrière, il y a un truc qui consiste à marcher au pas. Alors même si c'est pour la lutte, le peuple ou que sais-je, je me fie des gens qui marchent au pas, je me fie des dogmes de ceux qui ont raison et qui savent, et puis des chefs de clan ou des tribuns qui vont nous dire l'Ouest est là ou le Sud est là, le bonheur est ici, suivez-moi. Bon, je préfère effectivement être le plus autonome possible. Donc non, je crois que c'est plus un engagement. Enfin, je suis vivant sur cette planète. Avec vous, avec nous tous. On partage pas simplement un lieu commun, mais un temps commun, ce qui n'est pas rien. Et ça, on l'oublie trop souvent, ce temps commun. Et moi, j'essaie de faire en sorte que ce temps commun soit, j'allais dire, le plus harmonieux, non, le moins violent possible. Essayer de contribuer un peu. Et puis, je pense qu'il y a aussi une part d'orgueil d'avoir l'impression de faire quelque chose de pas trop mal. Contribuer. Voilà. Contribuer, laisser une empreinte. Alors, une empreinte, non, parce que j'ai pas la prétention d'essayer une empreinte. Je pense que moi, je ne ferai pas grand-chose. Et quand même, l'empreinte, et même les empreintes s'effacent. Donc, non, mais agir concrètement. À quoi je peux passer mon temps aujourd'hui en apprenant, en ayant la passion de faire des images et du son qui racontent des histoires? Bah, autant agir dans le sens qui me, enfin, pour donner du sens à mon existence. Et puis j'ai deux filles, j'ai deux enfants. Je tiens à ce qu'elles grandissent dans un monde un peu moins. Tu leur transmets ces valeurs à tes enfants? J'essaie. C'est... Tu leur as montré tes projets déjà? Ils ont quel âge? Alors, 8 ans et 12 ans. Oui, elles regardent parfois. Elles regardent le papotin, par exemple. Ouais. Mais donc, elles observent. Je suis content de voir que par proximité avec cette émission, elles portent un regard différent sur des gens différents. D'ailleurs, l'une des deux a des autistes dans son école. Et je crois qu'elle les regarde différemment. J'ai le fils d'un ami qui a pu me dire, après le papotin, c'est marrant, on a l'impression qu'ils ont quelque chose en plus. Et je trouve ça très beau, parce que trop souvent, on aborde l'autisme ou des différences comme quelque chose en moins, moins que la norme, étant l'idéal. Mm-hmm. Et cette singularité, que ce soit vu comme quelque chose en plus, je trouve ça très, très précieux, très enthousiasmant. Voilà, t'as des autistes qui ont vraiment quelque chose en plus. Mais ils ont quelque chose en plus, ils ont une sincérité en plus. Ouais. Ils ont une capacité... Déjà ça, ouais. Bah oui. Des gens qui, moi, je suis là sur un fauteuil, j'essaye de raconter des trucs que j'espère pas trop inintéressants à des gens qui prendront le temps ou non. Mais c'est un truc très de séduction. Je tente quelque chose, mais eux, ils se foutent de la séduction. Ils disent ce qui leur passe par la tête, et c'est pas toujours très joyeux d'ailleurs, hein, parce qu'ils sont confrontés à l'angoisse. Ce sont des êtres humains pleins et entiers, mais structurés d'une manière singulière qui les libère en tout cas de la mission de séduire. Et une parole qui n'a pas la mission de séduire, c'est une parole précieuse. Mmh. Ouais, c'est vrai. J'avais vu celui avec Julien Doré, qui était très cool.
J'ai pas eu ma réponse sur la lutte contre le système, mais non, bon. La lutte contre le système, en fait, c'est compliqué parce que non. Est-ce que tu te considères comme un anarchiste, toi? Alors libertaire, ouais, anarchiste probablement. En tout cas, c'est ma source. À 14 piges, j'allais à la Fédération anarchiste et j'ai lu Bakounine, Proudhon, etc. Moi, ce qui m'a semblé ni Dieu ni maître, ça reste une devise. C'est pour le libre arbitre parce que j'ai toujours un problème. Je crois que on porte sa nature. J'ai toujours un problème avec l'autorité. Dès que je vois surgir une autorité, je la considère comme illégitime avant tout, avant même d'y réfléchir, avant même d'entendre ce qu'elle a à me dire, l'autorité. À tort, hein, ou à raison, ça m'a porté préjudice, j'ai raté parfois des rencontres probablement, mais j'ai cette nature-là qui me fait me méfier de celui qui d'un coup est là pour dominer la situation, le collectif, et moi si je fais partie de ce collectif. Mais oui, indépendamment de cette nature-là, je pense que c'est l'idéal libertaire, l'idéal anarch, c'est la liberté respectueuse de tous pour tous, de toutes pour toutes, sans et considérer que nous sommes tous égaux, que je ne vaux ni plus ni moins que n'importe qui d'autre sur cette terre. Je ne suis pas au-dessus de qui que ce soit, je ne suis pas en dessous de qui que ce soit. Mmh. Et j'en ai l'intime conviction. Quand bien même ce serait quelqu'un, un complotiste, nazi, voilà. Et bien cette personne-là, je dois la considérer, combattre ses idées, combattre ce qu'elle dit, combattre ce qu'elle peut faire, évidemment, et sans rien lâcher, mais ce qu'elle est doit pouvoir m'intéresser. Et m'intéresse aussi, parce qu'elle est le fruit d'un parcours, parce qu'il n'y a pas de raison immanente, parce qu'il y a des valeurs hein, qui sont très facilement discibles, hein, c'est le respect, la liberté. Il n'y a pas de raison objective alors. Non, mais il n'y a pas d'immanence, quoi. Après, ces valeurs, on les construit. Elles sont construites également. Mmh. Mais le libertaire, il s'attache, effectivement, et je pense appartenir à cette famille-là. C'est une famille très hétéroclite, hein, parce qu'il n'y a pas de parti. Elle pense que la liberté, le libre arbitre, et le respect et l'égalité sont au cœur de toute chose. Et à chaque instant, même au sein de la famille. C'est pas facile hein, d'être libertaire et d'être père de famille et d'incarner l'autorité parentale, par exemple. Ouais. C'est pas facile. Ouais. Mais ça veut pas dire le lâcher prise pour le lâcher prise. Ça déresponsabilise pas du tout. Hein. C'est super engageant. Et d'ailleurs, majoritairement. Chez toi, c'est une minarchie, c'est ça? Alors, chez moi, c'est beaucoup de débats, beaucoup de discussions, mais des horaires fixes quand même pour aller se coucher, pour être en forme à l'école. Voilà. Ok, donc, ouais, ok. ouais, je voulais parler financement participatif avec toi, ce qui est une très bonne transition avec la discussion qu'on vient d'avoir. Est-ce que tu penses que c'est le dernier bastion d'indépendance pour les réalisateurs? C'est compliqué. Pour les médias, le financement participatif? Oui, bien sûr. Le dernier bastion, je suis pas sûr. Il y a un bastion qui est le service public, hein, qui est parfois dirigé par des gens bien. Il s'agit de discuter avec eux, trouver la possibilité. Je crois que c'est plutôt le cas. Enfin, discuter avec eux et de trouver un lien, tisser un lien. C'est une manière de procéder. Je pense pas que ce soit l'unique. Je crois pas aux uniques solutions. Mais c'est une manière de procéder intéressante, qui nous a effectivement aidé particulièrement. Mais ça n'a été possible que parce que Datagueule avait constitué une communauté suffisamment vaste pour pouvoir, en son sein, trouver des financeurs. Mmh. Des gens qui accompagnaient le financement d'Utopie et précédemment de Démocratie. Ce qui est marrant, c'est que dans le motion que vous aviez fait pour le crowdfunding et le lancement de ça, tu avais parlé de 3 épisodes. Et après, tu as dit, soyons fous, faisons peut-être même 5. Et vous avez réussi à en faire 6, c'est ça, à terme. Le dernier, c'était en Ukraine. C'était en Ukraine, c'était l'été dernier en Ukraine, pour filmer une des fermes de Longomaï. Longomaï, c'est une très ancienne communauté qui est née dans les années 70, en 72, je crois, très précisément, qui est vraiment l'une des dernières communautés post-68ardes, créée dans le souffle de mai 68, des libertaires, très majoritairement, qui ont, dans les années 70, décidé de se mettre un peu à l'écart du monde, d'investir les territoires ruraux délaissés par l'exode rural, et de se consacrer à la fois à bâtir des communautés fonctionnant sur les principes, effectivement, anars, hein, de respect, d'égalité, sans contrainte, où chacun est en autogestion lui-même, et en même temps de se consacrer à de survivre en plantant et en récoltant à l'agriculture majoritairement bio,
Et ils existent encore aujourd'hui. Et ils ont une dizaine, Longoma, il y a une dizaine d'écolieux, de fermes en Europe, dont une en Ukraine. Donc c'était intéressant de voir, parce que ce mouvement libertaire est évidemment anti-militariste, pacifiste, évidemment, et de voir une communauté libertaire, pacifiste, confrontée à la guerre. À la guerre. Ça bouscule, évidemment, ça les bouscule sur les gens qui sont en mouvement permanent, qui se sont réfugiés derrière aucun dogme, aucune certitude, qui n'ont pas écrit de règles qu'elles se réfèrent. Ils n'ont pas de petit livre rouge, de petit livre vert ou que sais-je. Ils ont juste leurs intentions et le fait de les vivre au jour le jour depuis des années pour certains d'entre eux, pour des décennies même, et à bousculer face par la violence, par la guerre, par le surgissement de la Russie. Bah, ça les fait bouger. Et c'est ce que tente de raconter ce film. Quand tu as été tourné là-bas en Ukraine, c'était le tout début du conflit. Ça faisait 5 mois que le conflit avait commencé. Ouais. C'était pas encore arrivé jusqu'à eux ? Alors, il se trouve que cette ferme est en Transcarpathie. Et c'est l'une des régions les moins bombardées et les plus tranquilles d'Ukraine. Il y a eu quelques bombardements. C'est pas très peuplé, finalement. Alors, c'est l'extrême ouest. Alors, bien sûr, le front est très majoritairement dans le Donbass, à l'est. Et puis, ils ont été beaucoup moins bombardés que Kiev. C'est une région majoritairement rurale. La Transcarpathie, c'est le prolongement, finalement, des Carpates roumaines. Et c'est aussi une région qui, si jamais Poutine arrivait à ses fins, qui serait offerte à Orban. La Hongrie la revendique depuis longtemps. Donc, il y a une sorte d'accord tacite qu'on subodore pour que Poutine, que l'armée russe ne la bombarde pas trop. Puisque c'est cette région... C'est un cadeau à la Hongrie, quoi. Voilà, c'est ça, en quelque sorte, à Orban. Mmh. OK. On a parlé de beaucoup de sujets un peu intenses, là. Toi, tu as les yeux rivés sur les dysfonctionnements de notre société, comme on a pu le voir. Et je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne Data Gueule, si vous n'avez pas vu cette chaîne, c'est quelque chose. Est-ce que tu as des sas de décompression, toi, avec ça? Parce que... En ayant les yeux rivés comme sur tout ce qui ne va pas comme ça, au bout d'un moment, je suis sûr et certain que tu as besoin d'une pause. Comment tu te décompresses? Comment tu te sors la tête de ça? Alors, premièrement, je dois être honnête, je ne suis pas angoissé. Je trouve ça passionnant. Alors, je suis un mec de 50 piges, hétéro, blanc. Je ne gagne pas trop mal ma vie. Je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre non plus. Donc, je souffre pas. Et je fais, et j'exerce ma passion. C'est-à-dire que ce que je fais, j'aime le faire plus que tout. Je suis extrêmement privilégié. Après, je suis fatigué, comme tout le monde, un peu. Mais j'ai mes filles, j'écoute de la musique, je lis des livres, je vois des films, je vois des séries, un peu comme tout le monde. Bah, mais je serais juste de ma part, ni très digne de me plaindre de quoi que ce soit. J'ai une chance folle. Non, sans se plaindre, mais on a tous besoin d'une... Tu vois, d'une... Alors, pour décompresser, mais lire, écouter de la musique, je suis un peu audiophile, j'adore la musique. Et j'aime la qualité des sons, la matière des sons aussi. Donc, t'écoutes sur vinyle? Alors, on peut être audiophile sans écouter sur vinyle. J'écoute sur Rune, qui est un système, super système. Cobus sur Rune, et avec un bloc mono de grande qualité, YBA français, puis un super préampli, avec un excellent DAC qui vient d'arriver, et 2 enceintes d'inaudio. Et je fais un peu des pubs, c'est pas de la pub. Mais le monde de l'audiophilie est vraiment un monde très vaste, extrêmement intéressant, et ouais. Ça me fait un bien fou, ça me déconnecte de tout. Tu geeks un peu là-dessus? Bah ouais, complètement, ouais. Tu geeks ouais, je peux lire des forums, etc. Ah ouais, des heures et des heures. Ouais, complètement. Est-ce qu'il y a les mêmes guerres que sur les forums de VAP? Mais de ouf. Mais de dingue. Non, mais les mecs se foutent sur la guerre. Il y a une césure, il y a un schisme entre les câblophiles, qui considèrent qu'on améliore un système son grâce aux câbles qui relient par exemple les enceintes à l'ampli, ouais. Que donc les anti-câblophiles appellent les idiophiles. Voilà. Et puis ceux qui pensent se considérer... Ah, il y a des clans, et les mecs, ils rigolent pas. Ça défouraille sévère. Ça défouraille, ouais, je suis content. Après, je me doute bien que c'est un peu la même chose dans toutes les communautés, quoi. Quand tu vas vraiment super à fond dans un truc, tu défends ton idée bec et ongle. Et toi, du coup, t'es quoi? T'es câblophile? Ouais, je suis un peu câblophile. Je dois l'avouer, mais je vais me faire pourrir si jamais. Un peu. On va envoyer la vidéo sur le forum sur lequel tu postes, où t'avoues être câblophile. Mais ça reste entre nous. Écoute, je viens d'apprendre ce mot, tu vois, comme quoi on apprend des choses tous les jours. On va parler un peu des recettes pompettes tous les deux, parce que t'es aussi connu pour ça, avec Monsieur Poulpe.
Ah, c'est Monsieur Poulpe qui est connu. Hein. Moi, j'étais derrière. Hein. Ouais, toi. Là, je suis devant, mais normalement, je suis derrière. Je suis à la place de Monsieur. Là, hein. Toi, t'es derrière les caméras, mais bon, ça reste quand même un des trucs que t'as fait aussi qui est assez important. Qu'est-ce qui a jamais été diffusé sur les recettes Pompettes? Alors, si ça n'a jamais été diffusé, c'est que je peux pas en parler. Ah, ouais, bon. Alors, si. Puisse en parler, mais. De manière anonyme, il y a l'une de nos invités, l'une de nos invités, qui a flanché assez sévèrement. Au moment où il y avait une séquence qui s'appelait Au coin du four, qui était le moment un peu calme, qui a abordé le dernier tiers de l'émission, et aussi le dernier tiers de son tournage. Donc, on tournait depuis souvent 2-3 heures avant que cette séquence ait lieu. Et 2-3 heures qui ont précédé, ça a envoyé sévère. Et l'un ou l'une de nos invités a perdu pied à ce moment-là. Perdu pied, s'est évanoui, quoi. Non, elle était trop malade. Il est trop malade. Donc c'est une femme. Non, il était trop malade. L'invité était trop malade. Et voilà, ça, on n'a pas pu le diffuser évidemment. Oui, oui. Tu n'as pas montré un invité qui pose un gros. Mais papier. Non, sinon, moi, je c'est les after-shows avec Poulpe, parce que nous, on ne buvait pas du tout, mais Poulpe, puis il accompagnait. Ah bah oui, obligé. Et il ne s'arrêtait pas là, parce qu'après, il s'agissait quand même de festoyer, puisque l'ensemble de l'équipe avait très envie de boire après, de boire un ou deux verres, ben, raisonnablement. On tournait souvent le vendredi, et passé 19-20 heures après avoir rangé le matériel, on avait bien envie, mais Poulpe était déjà déchiré, et donc on allait au bar, nous, pour se détendre un peu, avec un mec qui était en toute fin de soirée. C'était plutôt drôle. Le Poulpe, il a rembouillé la chemise, et puis voilà. Ouais, c'était bien ce programme. J'aimais bien les recettes Pompettes. C'était intéressant. Et c'est bien d'avoir. Bon, c'est pas bien de consommer de l'alcool en général. Exagérément, non. Consommer malade. Avec modération, évidemment. Mais ça apporte quelque chose en interview. Il y a une transgression. Ça enlève le filtre. Oui, exactement. Ce qui m'intéressait dans les. Moi, ce que j'aime le réel. Mais le réel, il a du mal à émerger, en fait. Parce qu'on est tous plus ou moins en spectacle de nous-mêmes, dans une espèce de représentation. Et c'est pas le réel, la représentation de nous-mêmes. C'est un fantasme, c'est quelque chose d'assez faux aussi, dans les codes sociaux parfois. À forte raison, avec des gens qui sont rompus, des comédiens, des comédiennes qui sont rompus à l'exercice de la prise de parole face à des caméras, etc., et qui sont également en représentation. Là, grâce à l'alcool, si ça avait été autre chose, ça aurait été mieux. Mais le masque tombait. Quelque chose de vina veritas, hein, quelque chose surgissait qui n'était pas maîtrisé. Et ça, c'est joyeux. Je crois que c'était ça la grande force du programme, indépendamment de. C'est ça que le public cherche, en fait. Ben c'est oui. À voir ce qu'il y a derrière le décor. Aller voir en coulisses. Les coulisses, ouais. Ouais, les coulisses de nous-mêmes. Ce que l'on tait, ce que l'on cache. Et c'est un peu couillon, parce que souvent, ce que l'on tait, ce que l'on cache, sauf à être pervers, mais très majoritairement, c'est plutôt des belles choses. C'est des choses, mais simplement. C'est un peu de faiblesse, un peu de sensibilité, un peu d'émotion. Et ce qu'on ne maîtrise pas, c'est plutôt bien parfois de l'offrir. Il y a eu beaucoup de trucs pas diffusables. Parce que j'imagine qu'avec l'alcool, tout le monde ne tient pas la bibine et peut tenir une discussion après derrière. Non, il n'y a pas eu beaucoup de trucs. En plus, c'était une émission fondamentalement bienveillante. C'est-à-dire que pour avoir le courage de dire oui à l'invitation de Poulpe, il ne fallait pas qu'on trahisse cette confiance. Et puis Poulpe est quelqu'un qui sait recevoir au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'il accueillait très volontiers. C'était pas un piège, c'était tout sauf un piège. C'était là pour passer un bon moment et puis pour faire sourire, pour libérer. Ah mais tout le monde n'a pas l'alcool joyeux, tu vois. Il y a des gens qui ont l'alcool déprimant. Ouais. Alors on n'a pas été confronté à un alcool triste. En revanche, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de montage. Il y a des moments où t'es un peu moins glorieux quand t'es bourré. T'es un peu moins malin, t'es un peu moins rapide. Donc il y avait beaucoup de montage. Voilà. Ouais. On essayait de rendre tout ça encore un peu léger au moment où ça pouvait. Bah oui, il n'y avait pas de raison. En coupant les choses, ouais. Quand ils commençaient à se baver dessus. Voilà, ça on l'évitait. Là, on passait au plan large. On n'allait pas. C'était pas un piège. Ça roule. Bah, merci à toi, Henri, d'être venu pour cette interview. C'était très cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant? C'est l'instant promo. Oh là, mais j'ai la promo. Non, je prépare plein de trucs, mais tout est en gestation. Il y a le Papotin sur France Télévisions, sur France.tv Utopie. Et puis voilà, je suis très maladroit en promo, si je veux dire, si je ne sais pas faire. Ah, merci à toi en tout cas, c'était très cool. On se retrouve très vite sur la chaîne pour une autre interview. À très vite. Ciao, ciao.